Coucou les fans, je suis Franco. Voilà, ce matin, il y a Prisca. Coucou les fans de Franco, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Voilà, ce matin, je suis resté, mon téléphone a sonné. Et Prisca m'a dit qu'elle voulait venir me saluer, qu'elle devait venir me rendre visite. Puisque j'ai fait ma dernière sortie où je parlais de la paix. Et vous savez bien ce qui s'est passé. C'était en quelle année? En 2021. Voilà. Voilà, c'était en 2021. Avec le buzz que vous connaissez. Voilà, donc elle m'a appelé, elle m'a dit Franco, si effectivement tu es vrai pour ce que tu dis, pour l'amour que tu prends sur ta plateforme, comme je le dis, accepte-moi, je veux venir pour qu'on essaye ensemble d'effacer les blessures. Parce que je sais que tu es fâché. Bon, honnêtement, à l'arrivée, je n'avais plus ce problème en cœur, comme je t'ai dit. Voilà, donc elle est venue aujourd'hui. Je ne sais pas, elle même va vous dire, donner la raison pour laquelle elle est venue. Puisque tu es venue faire quoi? Bon, je salue Franco parce qu'il me manquait. Ça faisait longtemps, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et en plus, tu m'as bloqué. Bon, j'avais trop mal. Et quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a vraiment touchée concernant les influenceurs. Et je demande à mes frères influenceurs, s'il vous plaît, regardez Buzz, voici le deuxième papa ici là. Hein? Elle dit là, non, lui ça laisse quoi? Comment vous me voyez là? Voilà. Comment vous me voyez là les gars? Jean le mignon, mon père, Franco, c'est l'histoire des réseaux sociaux, c'est un papa en or. Donc c'est un grand frère en or, tu vois un peu non? Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la jeunesse parce qu'il a aussi formé beaucoup de jeunes. Oh, j'ai été touchée. C'était l'ingratitude qui a fait, j'ai pas posté la vidéo là. Ouais. Voilà. Mais les fans de Franco, j'ai compris que j'ai eu tort. Donc aujourd'hui, je viens vers vous, je vous demande pardon, j'ai blessé Franco, c'est bien vrai. Donc s'il a accepté, je suppose aussi que vous allez accepter. Donc merci beaucoup à vous. La paix est bien. Ouais. Justement, la paix est bien et c'est justement parce que la paix est bien que j'ai honoré la présence de Prisca dans mon bureau aujourd'hui. Et je vous dis en toute honnêteté et en toute sincérité que oublions le passé et que l'aventure continue. Demain, c'est un autre jour et nous devons apprendre à pardonner tout ce qui s'est passé avant, qu'on laisse pour avant et que on pense plus à l'avenir. Et c'est un exemple aussi, un appel également que je lance à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui font également ce que je fais ou bien ceux qui cherchent à suivre mon exemple. J'ai pardonné tout ce que Prisca a fait. Je vais plus revenir sur l'histoire parce que ceux qui ont connu Prisca savent de quoi je parle. Donc voilà, donc c'est fini. Prisca, je te confirme qu'effectivement c'est fini. Et les fans, coucou à vous et à la prochaine. La paix est bien, l'amour également. Nous devons vivre ensemble et c'est ça l'exemple. Exactement. Le vivre ensemble est bien, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup, bye bye. Je te salue. C'est ça l'amour. C'est grand frère. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.